Les gars, il faut y aller mollo, hein, sur les colis là. Je comprends pas comment on peut m'envoyer un truc aussi gros. Il m'a envoyé le pare-choc de sa Twingo, le gars. Théma, c'est tellement gros, on dirait un fond vert. Et bienvenue à tous les gars, nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, on va essayer de faire top 1 avec des potes. Ça marche pas de fou, hein. Mais ça marche mieux sur les blancs, je pense. Je sais pas si on garde cette vanne, hein. Bonjour à tous, la main en l'air! J'ai essayé de faire une intro surprenante. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo studio, ça fait très longtemps. Et j'ai constaté un truc. Vous êtes pas mal, mine de rien, à regarder des vidéos YouTube en les laissant tourner un peu en fond de conversation. C'est en mode vous êtes en train de parler, en même temps il y a une vidéo YouTube. J'ai capté ça l'autre jour avec des potes. Let's go, les kids! Ça va, mon frère, tu manipules. Ah, cette vanne, c'est sûr, elle les fait rire. Tu fais quoi demain, gros? Il y a Harry qui fait un truc chez lui. Ah ouais, sérieux? Bah, vas-y, en vrai, je suis libre. Hein. Pour amener de la tease ou. Non, putain, ils ont raté ma meilleure vanne. Oh, elle est bas de longue ta vidéo là, on rigole quand? On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes. Du coup, pour tous les gens qui sont en train de parler entre potes, qui entendent même pas ce que je dis à l'heure actuelle là, je vous réveille un bon coup. Oh, je vous dérange pas? Je sais pas, incluez-moi dans la conf, vous m'avez mis sur la télé du salon en plus. Et à tout moment, votre daronne elle entend ce que je dis avec mon énorme beat. Ah bah tiens, là ça va baisser le son de la télé. J'ai pété les plombs sur l'intro. Aujourd'hui, messieurs, dames, on ouvre vos colis épisode 56. En vrai, j'aime trop cette série, premier degré, et bah vous aussi, donc ça fait trop plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à like la vidéo. En vrai, c'est un peu mon indicateur pour savoir si vous kiffez, donc voilà. Ne perdons pas plus de temps, l'intro était déjà beaucoup trop longue. J'envoie le jingle de manière aléatoire. J'ouvre vos colis, eh oh, plutôt joli, eh oh. De toutes les formes m'arrondis, c'est inédit, eh oh. J'ouvre vos colis, mais pourquoi y'a des brocolis? Mais y colis, pourquoi j'ouvre ce colis? Wow, wow. Les gars, y'a un colis qui brille de fou à côté de moi là. Qu'est-ce qu'on va dans un film? J'ai le sentiment qu'il faut que je l'ouvre, c'est sans doute ma destinée. C'est peut-être un artefact magique qui va me permettre de... Ça ne peut être qu'un piège! La dernière fois que j'ai vu une lumière aussi scintillante, c'était sur un radar, il m'a flashé 30 km/h au-dessus, ce chien! Putain, mais il brille toujours! Mais qu'est-ce que c'est? Ah mais oui, c'est vrai! Putain, j'avais complètement oublié! C'est Revolut! C'est le partenaire de cette vidéo! Il m'avait prévenu qu'il m'enverrait une carte bleue de fou furieux, j'avais pas... Je pensais pas que ça brillerait autant, quoi. Mais c'est fou. Ouais, c'est fou. Messieurs, dames, Revolut, qu'est-ce que c'est? C'est une banque en ligne qui te permet d'avoir un compte bancaire gratuitement en moins de 5 minutes. Y'a rien de plus simple, il suffit de télécharger l'application. C'est hyper pratique et vraiment zéro prise de tête. Il y a déjà plus de 30 millions d'utilisateurs, donc peut-être que vous connaissez. En tout cas, première chose, si vous passez par le lien présent dans la première ligne de la description de cette vidéo, Revolut offre 20€ à tout le monde. Et en même temps, vous participerez à un tirage au sort pour que l'un d'entre vous puisse gagner 1000€ d'un coup. Y'a plein d'avantages à passer par Revolut. Déjà, premièrement, tu peux te commander une carte gratuite ou une carte métal personnalisable. Moi, par exemple, j'en ai deux et elles sont beaucoup trop stylées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez dans un pays étranger, non seulement vous n'aurez aucun frais sur les retraits et sur les paiements, mais en plus de ça, vous aurez accès à un des meilleurs taux de change possibles. En clair, il n'y a rien de plus simple, tu vas sur l'application, tu échanges les euros pour la devise de ton choix, et t'as un super taux de change. Après, sinon plus simple, tu peux aussi directement utiliser ta carte, et la conversion se fait automatiquement au meilleur taux. Tous les achats en ligne sont sécurisés, parce qu'en gros, Revolut, il vous offre la possibilité de créer une carte virtuelle à usage unique, et ce, de manière totalement gratuite. Par exemple, tu vois un site, t'as envie d'acheter un truc dessus, mais t'es pas sûr de la fiabilité, t'as peur de rentrer les numéros de ta carte bleue, et bah là, avec Revolut, tu crées une carte virtuelle, tu l'utilises sur le paiement de ton choix, et après ça, hop, elle n'existe plus. Du coup, impossible de te la voler ou de la réutiliser derrière, donc t'es safe. C'est pas tout. Tu vas aussi pouvoir faire des économies sur tes achats en ligne, puisqu'ils ont mis en place un système de cashback. Si tu commandes chez Nike, Adidas, Amazon et plein d'autres marques, avec ta carte Revolut, tu peux avoir jusqu'à 30% de remise. Voilà, si vous êtes intéressé, tout est disponible en première ligne de description. Vous cliquez sur le lien, vous gagnez automatiquement 20€ et en plus, vous êtes dans le tirage au sort des 1000€, je rappelle. Que dire de plus si ce n'est merci Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis écoutez, place à l'ouverture de colis. Premier petit colis, il nous vient de qui? Rue du Donjon. C'est quoi, c'est un Minotaur qui m'a envoyé le colis? Oh, j'aime bien le packaging. Regardez. Oh, ça sent trop bon. Qui es-tu, mystérieuse inconnue? Coucou Mastu. Étant née sourde, oh, j'ai eu un déclic pendant le Covid. Je ne pouvais ni travailler, ni faire des formations. J'ai donc ouvert mon entreprise de bougies artisanales. Attendez, déjà, toute cette séquence sera sous-titrée. Tu t'appelles comment? Blandine, enchantée. Déjà, t'es trop forte. Ensuite, t'es trop forte. Et de trois, je sais pas comment t'as fait pour comprendre mes vidéos jusqu'à maintenant. Peut-être que tu te trompes à mon sujet depuis le début. Je t'envoie une de mes créations. Profite bien de ces 72 heures de brûlage. PS, je t'ai mis un briquet allume-gaz pour que tu ne t'embêtes pas à en acheter un. En espérant qu'il ne fasse pas trop chaud, car il pourrait exploser. Je te laisse mon Insta et mon site internet @muses.love. Non mais c'est trop mignon les gars, regardez le petit packaging, comment il est trop bien et tout. Mono L, c'est ça? Mon oeil. Oh putain, je suis trop con, c'est pas possible. Mais les petits bonbons aussi. Ah là, t'essayes de m'amadouer le plus possible. Tu mets un petit chèque aussi? Non, bon c'est pas grave. Ah oui, tu m'as vraiment mis un allume gaz pour de vrai, putain. Il a vécu, ça se voit, tu l'avais chez toi. Ça marche comment? Premier degré, j'aime bien les bougies. Ça crée une ambiance et tout, c'est cool. Et voilà, petite ambiance de date. Ce soir, je vais rentrer, je vais dire à ma femme, j'ai acheté une bougie pour nous deux. Elle va me dire, oh putain, c'est trop mignon. Ouais. Après, elle va me dire, tu l'as acheté où? Je vais dire, dans un super magasin qui vient d'ouvrir. Ah bon, c'est où? Je vais y aller. Le pire, c'est que vraiment, c'est pas une vanne. Elle va repartir avec moi. Alors, je sais que depuis les vidéos là, les abonnés s'envoient des colis pour que ça finisse à la
poubelle? Non. Tout le monde pense que je jette les colis et tout? Non. En tout cas pas tous. Bah Blandine, merci beaucoup. T'es trop forte. Alors ce colis les gars, il m'intrigue. On dirait vraiment il est vide. Il y a un gars, il m'a trollé, il s'est dit ah c'est trop marrant. Je vais aller à la poste et je vais rien lui offrir à ce chien. Après rien ne vous oblige à offrir hein. Il y a rien hein. Non, il y a rien, il y a une lettre, il y a une lettre quand même les gars. Salut Mastu, je m'appelle Jules, j'ai 13 ans. C'était oh. Ah Jules, faut taffer en quatrième là. Sur le français et tout, faut pas hésiter là à mettre les bouchées doubles. C'était pour te dire que je suis fan de toi. Continue ce que tu fais. J'aurais besoin que tu m'envoies des colis à toi pour que je fasse les mêmes vidéos que toi sur ma chaîne. Ah Jules, ça marche pas comme ça. Et oui, comme tu as pu le deviner, moi aussi je me lance. J'espère que je vais être riche. Dans l'idéal, il me le faut... Ah, parce que tu fais ta liste des courses en plus. Dans l'idéal, il me faut au moins 3 gros colis et 6 petits. Ça marche, Julos. Bah vas-y, alors on fait ça comme ça. Bah ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser un double des clés du local à colis. Et puis tu pourras directement les piocher dedans alors. Fais un bisou à Tiplouf et Pumpkin, haha. Voici mon adresse. Comme j'ai pas d'autres trucs à dire, j'ai grandi le texte. À la prochaine, mec. C'est vraiment ma miniature de la pause quoi. Merci Jules pour ton colis, je suppose. Surveille ta boîte aux lettres. Tu vas les recevoir les colis bientôt. Lâche pas les études. Hein? Héloïse, et bah alors Héloïse, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas chialer? Putain, qu'est-ce que j'ai? Je suis complètement fou. Oh toi, on a dû te vanner sur ton nom de famille. Ah Héloïse, t'as dû te compliquer les amourants. Pourquoi il y a une meuf à poil? Alors attends, c'est quoi? Certificat d'authenticité. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oh jure des Frestagada! Mais non jure! Elles sont certifiées! Oh c'est un petit pull! Ah, et du coup ils sont la Frestagada, ils sont la sueur aussi. Et Louis? Je rigole, ils sont pas la sueur. Attendez, j'aime bien le style! J'aime beaucoup! Sur les manchettes là, c'est du quoi? C'est du M ou du L? Attention! XL! Pff, toi tu me régales! Hein. Et ben tu sais quoi? C'est pile poil la taille que j'aime parce que bon, en gros je mets plus de M, voilà c'est le petit point un petit peu sap. Je préfère le L ou le XL parce que c'est plus ample. Alors que M c'est un peu plus serré, j'aime moins! J'aime beaucoup et couleur crème comme ça, j'en ai pas beaucoup. Bah je kiffe quoi! Donc du coup tu m'as donné un certif d'authenticité du pull. Bonjour Mastu, je me présente. Je suis une jeune artiste passionnée par la mode qui a décidé, en plus de mes études aux Beaux-Arts, de créer une marque de vêtements liée à l'art. Le principe est simple, je chine des articles puis imagine une peinture ou broderie en fonction de l'histoire que je veux raconter. Ils ont tous un titre et une signification qui leur est propre. Attends, c'est trop bien. Ce sont bien évidemment des pièces uniques. En plus de cela, j'ai créé une collection par année, sérigraphiée à la main par moi avec une encre éco-responsable bien sûr. Je t'ai envoyé le pull émotional de la nouvelle collection car je sais que tu aimes bien les fringues. Étant hypersensible, ce pull me tient beaucoup à cœur car il représente toutes les émotions. Ah mais oui, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Car il représente toutes les émotions qui peuvent submerger un être. Tes vidéos m'ont beaucoup aidé à un certain moment de ma vie et je voulais te remercier pour ça avec ce petit cadeau. Ton Insta, c'est @_eurifaessa. Merci pour tout. Gros bisous à tout le lot. PS Danielou, je te kiffe. Eh ben, Héloïse, tu me régales. Merci beaucoup. Bon courage à toi dans ton taf. Et place au prochain colis. On a fait la vanne au début, mais on va finir par l'ouvrir quand même pour voir ce que c'est. Wesh, non mais les gars, je vous jure, je suis en difficulté là. Déjà, j'ouvre le colis à l'envers, je vous tourne le dos. Attends, t'es qui toi en fait? Jean-Pierre. Alors, JP? Vous me faites faire du sport. Moi, je suis plus habitué, hein. Depuis la transfo là, c'est zéro. Hein. C'est pour ça qu'il y a des cuts dans les vidéos. Eh, hey, si je laisse tout ça, vous faites chier. Imaginez-moi, pendant toutes les ouvertures de colis, le nombre de fois où j'ai galéré à ouvrir comme ça. Petit coup de gueule de merde. Ouais, y a des gens, ils poussent des coups de gueule utiles, moi, il sert à rien. JP, le moment que tu attends depuis tout à l'heure est arrivé. Les gens le voient avant moi. Oh, c'est chance. Non, la dinguerie, c'est trop stylé. Jean-Pierre. Mais le fou furieux, il a fait ça sur une toile. Les gars, ça fait ma taille. Je fais 1m86. Oh, t'abuses un peu, ça fait pas ma taille. Mais quand même. Non, c'est trop stylé. Là, il va falloir que je négocie avec ma meuf pour on peut le mettre dans le salon. Là, on regarde Naruto. On a la grande guerre ninja. Elle surkiffe. Je pense que One Piece, c'est bientôt dans la poche. Après ça, j'essaie de lui faire regarder. Je vais essayer de lui faire kiffer Shanks. Et après, d'elle-même, elle me dira par pitié, expose-le dans le salon, s'il te plaît. Tu m'as laissé un petit mot, JP? Non, tu m'as vraiment envoyé la toile comme ça. Putain, mais imaginez-le. Avec ses énormes couilles, JP, il arrive à la poste et il dit: ça, c'est pour mon gars. Mastu, il habite en Anjou là. Putain, Jean-Pierre, j'aurais voulu avoir un... T'es mystérieux là comme gars, tu vois, au final. C'est pas qui tu es, quel âge tu as, pour quelle raison tu m'envoies ce magnifique tableau. Tu es ténébreux. JP, mon sauce, merci beaucoup. Là, c'est les 10 secondes sérieuses de la vidéo. Allez vous faire foutre un peu. Non, je peux pas. Merci beaucoup pour tous vos colis, pour tous vos messages, pour tout votre soutien. Merci de me faire vivre ce que je vis aujourd'hui. C'est sincère. Voilà. Je le dis pas assez. C'était l'occasion. JK. Allez, dis-nous, tes parents, ils t'aiment bien ou toujours, tu sais pas. Oh, attends, bête de packaging. Putain, les colis aujourd'hui sont incroyables. Oh, je vois la Toei, le logo de la Toei. Mais attendez, mais c'est quoi ce délire là? Oh, non, c'est trop une dinguerie. Je vais jouir. C'est qui ce crack? Les gars, il m'a fait un clavier One Piece. Non, c'est trop une dinguerie par contre, alors là. Oh non, c'est... Non, mais... Ah mais oui, il est vraiment fonctionnel. Il y a l'embout, regardez. Je peux mettre le câble et tout. Là, il est branché. Regardez, tout à faire. Regardez ce crack ultime. Le bruit, il est si satisfaisant, les gars, c'est de l'ASMR que je vous fais là. C'est quoi ce poulet? Écoutez ça. Après, voilà, je suis pas là pour flex, mais qui peut dire aujourd'hui j'ai un clavier One Piece qui a été custom pour moi?
Bah ouais, personne. Mais mec, bah merci beaucoup Baptiste. T'as pas ton Insta ou un truc comme ça? C'est custom ton clavier? Custom ton clavier, je crois que c'est ça. Bah mec, merci beaucoup, putain, c'est vraiment très stylé. Hein. Je pense que c'est un de mes objets préférés qu'on m'ait envoyé de toute ma vie, genre. Alexis! Je sais pas pourquoi je crie ton blaze. Hop, 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 tu t'es fait douaner. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu m'as envoyé pour que la douane s'y intéresse? La dernière fois, pareil, je commande de la coke, ils ouvrent mon colis, et vas-y qu'ils prennent tout. Putain, c'est relou, hé, hey, les douaniers, si vous regardez, vous êtes une galère, hein. Alexis, je suis désolé. Putain, j'ai aucune force, en fait. Oh, ça y est. Mais attends, mais... Mais c'est un colis de la douane? Pourquoi il y a une bouée gonflable? Alexis, t'es douanier? Oh. Oh, Alexis, t'es mort, là, surtout. Salut, Mastu, je m'appelle Alexis, j'ai 12 ans. Tu m'envoies de la coke à 12 ans? Putain, je suis tellement pas drôle. Et je viens de Corse, je te suis depuis que tu as fait le drive du McDo en marche arrière. Ah oui putain, mais attends, mais t'avais quel âge? Bah attends, c'est pas possible, t'avais 6 ans. Tu es mon youtubeur préféré, ton contenu sur ta chaîne est génial. Ah bah alors je peux te dire que les tweetos sont pas du même avis que toi. T'es fait des cadeaux fragiles, donc fais attention à la boîte. Ah bah t'inquiète pas, t'inquiète pas que... Il y a une chose de valeur, donc fais-y attention. Je te donne mon numéro, mais floute-le et ne le dis pas. Donc c'est 06 22 59... Oh il m'a fait des cadeaux, il m'a fait des... Oh là, alors là je vais kiffer. Il m'a fait des emballages cadeaux et tout. Oh non c'est Noël. Il a mis fuck Mastu. Oh l'enfer. Oh l'enfer Alexis. Oh le bourbier Alexis. FIFA 2021. Non mais Alexis, qu'est-ce que tu m'as... Ah il m'a fait un prank. Pareil que dans la boîte, y'a que ça. T'as vraiment 12 ans Alexis. T'es un petit bâtard Alexis. Bon la boîte est vide mais remplie de merde. Je sais pas si on voit bien, regardez, en gros y'a que ça dans le colis. Poussière de merde là. Ah c'est un manga de Naruto. Mais les gars, il est fou. Il est fou. Il est complètement fou, Alexis. Il a écrit Naruto. Bah, je sais pas si vous allez bien voir, mais il a écrit Naruto, c'est de la merde. Et au dos, il a mis de la grosse merde. Et Alexis, t'as pété les plombs. Alors, par contre, Alexis, je vais t'apprendre un truc. C'est qu'en gros, tu vois, un manga, ça peut s'enlever de cette manière. Du coup, ta couverture de merde, je la jette. Du coup, mon manga, il est intact, clean, nickel. C'est le premier tome, je l'avais pas. Merci beaucoup. Il y a beaucoup trop d'investissement pour un mec de 12 ans. Il écrit fragile dessus. Je peux lire dans tes pensées et deviner quel Pokémon tu as en tête. Okay. Il te suffit juste de le visualiser et de répondre à mes questions. Pense très fort à un Pokémon. Quand tu es prêt, dis-moi, c'est bon. C'est bon. Ce Pokémon a-t-il une queue? Oui, je crois. Ah ah! Ton Pokémon a-t-il les yeux rouges? Non. Ok! Ce Pokémon peut-il évoluer en un autre Pokémon? Je crois pas. Redis-moi ça! Ta gueule. Non. Je vois. Je pense que j'ai trouvé. Je parie que tu pensais à... Bruta Libre. J'ai raison? Non. C'était Canard Artichaut, fils de pute. Ça y est, je l'ai. Corplane. Non, non. Non, c'est Canard Artichaut. Peux-tu répéter? Bah, je t'ai dit non, c'est Canard Artichaut. Redis-moi ça. Hé, le bâtard! Ça part pas? Ça part pas, ces paillettes de merde? Oh, le chien! Comment on enlève les paillettes? Mais ta gueule! Les gars, ce colis, il est incroyable. Ça sera sûrement la minia d'ailleurs. Les gars, on a un colis, il y a un cadenas et tout. Je comprends pas bien, on va ouvrir la lettre. Chers aventuriers, pour débloquer ce magnifique coffre, merci de vous munir de votre téléphone portable et de scanner ce premier QR code. C'est quoi cette dinguerie? Énigme. Mastu et Joeka n'en possèdent pas assez, alors que Théodore en possède trop. Actuan, lui, en a juste ce qu'il faut. Du flow? Actuan, lui, en a juste ce qu'il faut. Des lettres? M-A-S-T-U, 5 lettres. Joeka, pareil. Théodore, il y en a plus. Actuan, juste ce qu'il faut. H-C-T-U, ah, il en a 6. C'est 6? Si c'est ça, je suis un crack, j'ai deviné vite, non? Bon, je suis pas un crack. Mastu et Joeka n'en possèdent des lettres? Qu'est-ce qu'on a? Les gars, je sèche complet. Putain, mais là, je suis sûr, dans les coms, vous allez me dire, mais c'est évident! Les lettres. L-E-T-T-R-E-S. On va laisser son mail au cas où si j'y arrive pas, c'est un peu honteux, là. Mon trésor trop aise à ouvrir. Mais le cadenas doit bugger. Yo mon gars, j'ai bien reçu ton coffre. J'en suis à l'énigme numéro 1. Je pensais qu'il s'agissait des lettres, mais je capte pas le code. Puis-je avoir un indice? Bonne journée à toi, Mastu. Je suis HP. 1,8 combien? 132. Bon, bah on se retrouve dans quelques jours. Il s'est écoulé une semaine. Mais j'ai une réponse par mail. Bon les gars, j'espère que j'ai pas été débile et que ça concernait les lettres. Bien le bonjour, tu es sur la bonne voie. Pense au type de lettres que chaque pseudo compose. Si la réponse comporte seulement un ou deux chiffres, pense à mettre le nombre nécessaire de zéro. Les consonnes et les voyelles. Mastu, il y a deux voyelles. Joeka, deux voyelles. Donc là nous on en a pas assez. Théodore, E-O-O, trois voyelles aussi. Donc c'est les consonnes. M-S-T. Joeka, le JLC, donc ça fait 2 et 3. Théodore, T-H-D-R-T, 5. Et Actuan, H-C-T-N, 4. Donc c'est 4. Les gars, si c'est pas 4, je comprends pas. Let's go! Oh shit, here we go again.
Ok, j'ai un mini-jeu. Mini-jeu numéro 1. Trouver la personnalité d'Internet associée à ces images. Très classique. Michou. Pour ce... Bon, celle-ci, trop simple. Ça, c'est Mister V. Je suis incollable. La personnalité d'Internet associée à cette image. Bah, pour moi, c'est Kameto. Mais il y en a plein en réalité. Je vais mettre Kameto. Trouver la personnalité associée. C'est Lena? Ok. C'est Domingo. Vous avez débloqué le premier chiffre du cadenas. 7. Trop simple. 7. Parfait. Attends, ensuite. Trouver la personnalité d'Internet associée à ces cris. Hop là. C'est Léopold? Je suis pas sûr. Bien tenté, mais c'est pas ça. Ah merde, non, c'est qui? Hop là. C'est qui? Mais c'est qui, putain? Hop là. Putain, c'est qui? Je suis en train de devenir fou. Hop là. Ah, vas-y, ça me casse les couilles. Hop là, même YouTube. Non, les gars, je suis pas en train de tricher. Hop là. Mais c'est qui, putain? Ah, je vais trouver qui c'est. Hop là. Oh. Hop là. Putain, il y a combien de coffres? Hop là. Alors, je vous jure que j'ai pas fait exprès. Bah les gars, bon de toute façon, regardez, c'était pas compliqué, il fallait que je fasse un puzzle à la base et j'avais les lettres et les chiffres et qui me permettaient de l'ouvrir. Là malheureusement ça s'est ouvert contre mon gré pour le coup. Écoutez bien, voici l'énigme. Eh bien écoutez messieurs dames, c'est la fin de cette petite ouverture de colis, c'était bien sympa, j'espère que vous avez kiffé. Merci à tous de m'avoir envoyé vos colis. En vrai c'est toujours trop bien, je sais pas, là on a ouvert des coffres, on a reçu un clavier trop stylé. Je me suis fait travailler par Alexis 12 ans, mais non en vrai c'est toujours un plaisir, c'est trop cool. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, vous le connaissez, c'est très répétitif, mais vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez également vous abonner, pourquoi pas. Merci également à Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous le rappelle, mais tout est disponible en première ligne de description. Et puis bah écoutez, moi je vais y aller. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. Kiffez bien, je vous fais des bisous, c'était Mastu. Bye bye.